Abou Nero derrière. À gauche, Vincent. À droite, Chris. En 6, Dylan. En 10, Mathias. Nathan à gauche, Ibo à droite. Devant, Paul et Raïm. Abou, t'es titulaire aujourd'hui? Ouais, titulaire aujourd'hui. Première titularisation. Première titularisation, exactement. Non, tu te sens comment? Bah, je me sens prêt. Hein. Bon, j'ai pas pu m'entraîner jeudi, mais je suis prêt physiquement, je suis prêt mentalement. Et puis, on va essayer de redonner au coach la confiance qu'il m'a donnée. Hein. Ça va se passer comme ça aujourd'hui. Allez, salut la team. Aujourd'hui, dimanche, match contre Andrézy 2. Sachez que je suis très concentré. Moi-même, je joue pas, mais je suis très concentré. Tout dépend de nos gars, la concentration et l'envie qu'ils vont donner aujourd'hui. Si c'est la même contre Porcheville, je pense que tout va bien se passer. Sinon, ça va être compliqué. À tout à l'heure, on verra bien les gars. Comment ce match? Bah là, il fait beau, il n'y a pas de vent, il pleut pas, c'est carré. Hein. Normalement, on devrait faire un bon match. La semaine dernière, on a fait un bon match. Du coup, là, il n'y a pas de raison pour qu'on fasse un mauvais match. Comment tu te sens après ce match de la semaine dernière là? Je me sens bien. T'as quand même mis un doublé. Ouais, c'est important. Et dans les commentaires, les gens ils t'ont censé un peu. Ah bon? Ah ouais, ils ont dû voir Paul et regardé. Tout. Ah ouais, je te jure. Ah bah c'est une bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle alors. Allez, pas mal, on mène 2-0. On s'est bien trouvé, on a eu quelques belles actions, mais à mon sens, on se précipite trop, on veut trop casser les lignes, trop jouer vers l'avant.
un peu trop vite à mon sens. Mais après, c'est normal, c'est que derrière, c'est assez lent. Donc nous, on a des attaquants rapides, donc on essaie de les trouver. Mais je pense qu'il faut mieux gérer les temps forts, temps faibles, accélérer au bon moment. Et ça, on sait pas trop encore comment le faire. Mais ça va venir, ça va venir. On joue à l'envers. On joue totalement à l'envers. Tu vois, tout à l'heure, t'as dit Nero, il balance. C'est ce que vous auriez dû faire depuis au moins une demi-heure. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Parce que au moins une demi-heure. On est en train de se tuer. Après, c'est mon avis. Mais tu sais pourquoi tu te tues? Mais mec. Regarde, au milieu, nous, on fait que ça. On fait la navette. Mais tu sais pourquoi? Ouais, tu sais pourquoi? C'est la navette. Lui, il se tue depuis tout à l'heure. Parce qu'à chaque fois que tu dois lui mettre, tu reviens en arrière, tu fais un crochet, deux crochets, trois crochets. À chaque fois. La première fois qu'il balance. Est-ce que t'as vu la pointe qu'il lui a mis devant? Il est en retard. Hein. Ouais, mais ça se fait une fois, mais ça se fait pas tout le temps. Mais vous l'avez jamais fait? Vous l'avez jamais fait? On l'a beaucoup fait. Non, vous l'avez jamais. Bah, Mastias, prends du recul, vous l'avez jamais fait. Là, ce que tu dois faire, à un moment donné, deux, trois fois, hein. Tu récupères la balle, tu balances. Et à chaque fois que lui fait un appel, ou lui fait un appel, ou Krem fait un appel, tu reviens en arrière, tu fais le tour de ton joueur. Et là, bah, eux, ils sont hors jeu. Je pensais à ce que tu m'as dit. Encore un but. Non, pas que un. On sort pas les, mais pas que un. Là, on fait que suivre le jeu de l'équipe adverse, alors qu'on devrait plutôt installer notre philosophie de jeu. Si on fait ça bien en deuxième mi-temps, ça va dérouler après. Speed!
lui le plus fort. Il a fait non, que courir. Moi j'ai pas couru. Il va avoir des chaussures dorées bientôt. Tu m'as demandé une passe D, j'ai mis un but et une. Non, deux passes D. Excuse-moi, deux passes D. Mon pote, victoire, mon pote. Il a tué ça, triplé. Hein. T'as combien de buts en deux matchs là? 5. 5 ouais. T'as 5 buts? Oh le bâtard. Ouais, il est très très vieux. Marque au moins si tu montes, super. Ouais, mais j'étais fatigué, t'as pas vu Marc. J'ai couru. Et tu veux même pas faire la passe. T'as joué, t'as fait une vraie percée. Hein. Ah ouais, mais dommage que. Ah ouais, dommage, t'as pas marqué. En attaque, toi, frère. Qu'est-ce que tu fais en attaque? Mais je voulais m'amuser un peu, je voulais marquer, frère. Titularisation, première titularisation. J'ai vu petit crochet, putain, ça sort bien. Ah merde, mais c'est pas grave, la prochaine. Si le coach me met titulaire. Nathan, à toi. Pression Pigeon Sky FC. Du grand sang, on chantera. C'est un bon qu'on a pour toi. Il le sait, c'est un dame. Champagne, Perrier. Finish friends on my face. Looking like I'm from the deep. These no Cartier. Pockets deep, 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 bro. I can make it in my seat, bro. Do you, I'm doing me, bro. Il y a un truc à vous dire, ça concerne dimanche prochain. Dimanche prochain, je prends un break. Je prends des vacances parce que j'en ai marre du Miss KFC. J'en ai plein le cul. J'ai des cernes comme ça. Il nous quitte pour l'hiver. Je suis fatigué. Et du coup, non, je vous quitte pendant 3 mois. Mais je reviendrai, promis. Je reviendrai encore plus fort. Je vais aller m'entraîner à l'étranger. Ouais. Normal, c'est un jeu. Oh non, il reste. Allez, plus en scène, vite. Enchaîné. Ouais. Bien joué, ça. Encore. Bien joué, les autres. Bien joué, les autres. Bien joué. 1, 2, 4, 5. Du coup maintenant si tu veux appeler la balle faut que tu le dises en anglais. Ok. Je t'attends. I'm here. Ils étaient 9. Je suis malade depuis 3 jours. Je me suis dit je vais venir. Stop. Et bah moi j'ai vu. Mettez-vous sur les pas, ça fait vous putain. Ouais je suis pas bien. Donc dimanche division 1 Sartrouville. Gros challenge hein. Coupe des Yvelines. Coupe des Yvelines bien sûr. Deuxième tour. On a sorti Porcheville 600 tours d'avant, là c'était une D5 Porcheville. Là ça retrouve, c'est une D1, c'est un gros défi mais on est chez nous. Voilà, de toute façon on veut se tester donc c'est bien affronter une équipe de 4 divisions au-dessus, on va voir ce qu'on a dans le ventre quoi. Donc on espère sortir avec la victoire, en tout cas on va tout donner.
Covid-19. Vous expliquer en fait ta petite galère de la journée? Ouais, j'ai une galère de passe sanitaire. En fait, je suis parti faire mon test ce matin et j'ai pas reçu le résultat à temps. Donc, j'ai essayé de chercher une autre pharmacie aux alentours, mais vous savez, on est très loin aussi, donc il n'y a pas de pharmacie ouverte. Du coup, me voilà arbitre de touche. du coup, Sartrouville, D1. Donc, techniquement, sur le papier, c'est meilleur que nous. En tout cas, d'apparence, tu sais, début du match, toujours, tu regardes un peu l'adversaire, tu te dis, ouais, peut-être eux. Ça a l'air dur, ça a l'air très très physique, je pense que ça va être un match qui va être basé là-dessus. Un peu plus sur le physique, le terrain il est pas non plus foufou. Donc je pense que ça va être physique. Je pense que c'est le genre de match où tu rentres chez toi le dimanche fin d'après-midi, t'es en PLS sur le canapé, t'as tout donné tu vois. Si tu veux gagner, je pense que ça va passer par là. Je croyais que t'étais pas sur la feuille de match. Ouais bah moi aussi je croyais que c'était pas sur la feuille de match. En fait je m'étais dit, ce dimanche là je vais rentrer chez moi, j'aurai pas de courbature, je vais regarder un petit match de Ligue 1 pépère. Mais non, le district en a voulu autrement. Donc du coup bah je vais essayer d'aider. Mais pour l'instant, je suis au fond du banc, tu vois, bien caché, tranquille. Parce que j'ai pas fait un entraînement de la semaine. Mais si on peut rentrer et aider, on va le faire. Mais en tout cas, ça va être un match dur. Je le sens, ça va être un match très dur. Un petit mot, le manager? Déjà, l'équipe en face, quoi, quand elle arrive, etc., on sent quand même qu'il y a la rigueur de la division 1, quoi. Donc ça, c'est, ça se sent. Le terrain pousse un peu haute là, un peu gras. Mais voilà, après en fait c'est la coupe, c'est pour ça, c'est pour se tester face à des meilleures équipes que nous. On est en D5, sans D1, rien à perdre, on est outsider. Donc c'est un peu cliché ce que je veux dire, mais au-delà du résultat, on va surtout voir comment notre équipe a réagi en face. Est-ce qu'on a les armes pour tenir une équipe de D1? Parce que c'est ce qu'on vise au final dans les années qui arrivent, c'est d'aller chercher le top départemental. Donc ça va être intéressant de voir l'écart. Thank you.
Le milieu, il pète sur les côtés, il pète devant. C'est tout ce qu'ils font. Hein. C'est tout ce que je vous ai demandé tout à l'heure. Hein. C'est tout ce que vous faites pas. Donc soit moi, en fait, j'arrête de parler. Et vu que vous êtes meilleur que tout le monde, et que vous jouez tous un football manager, que vous êtes tous chauds, moi je parle plus, je vous laisse faire sur le terrain. Soit vous écoutez ce que je vous dis. Parce que moi, je suis pas Mourinho, mais moi, j'ai joué 25 ans sur ce putain de terrain. Et je sais ce qu'il faut faire sur ce putain de terrain. Si je vous dis qu'il faut balancer devant sur les mecs de Paul, Hibou, sur Tom, faites-le, en fait. Arrêtez de jouer à la baballe au milieu de terrain, vous allez... Let's go.
Les gars, j'ai pas grand chose à vous dire, à part que la deuxième mi-temps était beaucoup mieux. Pour ma part, c'était beaucoup mieux. Beaucoup mieux, beaucoup plus d'envie, de combativité. Et contre des équipes comme ça, on pourra pas gagner, je vous dis pourquoi. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit apprendre encore. La rigueur, l'envie, et beaucoup de petites astuces que vous avez pas, le jeu sans ballon. Le jeu sans ballon.